épices et un nom qui est générique pour beaucoup de plantes qui donnent du goût à manger. Pour garantir la qualité médiocre de la viande, pour éviter que ça s'abîme. Les épices, c'est un parcours que tous les Mauriciens connaissent, surtout à partir de pamplemousse. Nouena, un personnage célèbre dans le monde entier, mais particulièrement à Maurice, qui appelle Pierre Poivre. Nous servit son nom Pierre Poivre comme si un habitant célèbre, comme si une star de l'époque, pour caractériser tous les épices qui nous sont servies dans Maurice. Je me suis retrouvé dans mon bibliothèque un joli livre, 1797, qui raconte comment Poivre, il voyage partout et il ramène partout bandes épices qui n'acclimatait dans Jardin Pamplemousse. Son idée, c'est que toutes ces bandes épices vont aller chez les propriétaires des sucreries ou d'ailleurs, pour être dispersées, même à La Réunion d'ailleurs, ou même à Madagascar. Toutes épices, elle a son nom particulier. Qui cumin, qui cotomili, sa façon qu'il installait dans Jardin de Pamplemousse, toutes ces bonnes épices qui viennent de presque tout le monde entier. Ils viennent depuis à l'époque, Côte Poivre, inhalent un peu dans tous les pays de l'Asie et du Sud-Est, et ils ramènent bon grain qui donne Jardin de Pamplemousse, qui Jardin de Pamplemousse redistribue dans toutes les propriétés sucrières. Tout ça, bande plante, sont accoutumées dans le climat Maurice, qui en montagne, qui sur la côte, qui dans la plaine, fait que ça, toutes bandes d'épices, sont vraiment mauriciens, Jordi. Jardin des Pamplemousses, à Pamplemousse, demeure où Pierre Poivre a réalisé un immense jardin botanique qui aujourd'hui est le plus vieux jardin tropical du monde. Donc Pamplemousse est un symbole. Alors pour nous Français, c'est aussi c'est là que Mahé de la Bourdonnais a commencé à faire sa maison et son usine de canne à sucre. Ensuite Pierre Poivre qui a développé, qui est allé chercher les épices et des espèces un peu rares à l'île de la Réunion, à Madagascar, dans l'île de la Sonde, jusqu'au Brésil et à la Martinique. C'est pour ça qu'on appelle ce jardin à la qualificative de tropical. En plus des espèces naturelles de Maurice, on y trouve énormément de variétés qu'on trouve dans l'océan Indien. C'est important aussi l'île Maurice et Pamplemousse, parce que c'est là que sont passés Commerson, qui était le botaniste de Bougainville. Et Commerson est considéré comme le père de la flore de Maurice. On était en train de parler de Pierre Poivre, personnage extraordinaire et aventureux, qui était parti en Chine comme missionnaire, mais finalement il n'avait pas la vocation. Et au retour, il sera allé rentrer en France, il a rencontré Mahé de la Bourdonnais, qui lui a dit « Venez à l'île Maurice, c'est merveilleux ». Donc il est parti avec la Bourdonnais à l'île Maurice, et là il s'est pris de passion pour l'île Maurice. Il s'est dit « Mais là on peut planter toutes les épices que les Hollandais gardent précieusement dans leurs îles, à Batavia et aux autres ». Et donc il s'est mis dans la tête de créer un jardin botanique. Il y a aussi la femme de Pierre Poivre, il y a des femmes dans les histoires des voyages, comme toujours. Et la femme de Pierre Poivre est celle qui a inspiré Paul et Virginie, l'auteur Bernardin de Saint-Pierre qui avait écrit Paul et Virginie. Et dans l'expédition Bougainville, il y a aussi une femme, Jeanne Barret, qui était déguisée en homme, parce qu'on n'avait pas le droit d'être sur les bateaux du roi, et donc qui était l'amie de Commerson. Et Commerson a habité chez Pierre Poivre pendant 3 ans avec Jeanne Barret. Ensuite, il est mort à l'île Maurice. Et Pierre Poivre s'est retrouvé rappelé en France.
Donc Jeanne Marais, avec les collections de Commerson, 30 caisses de 1 mètre cube quand même de graines et de plantes, est allée à Port-Louis et a monté un café à Port-Louis pendant 3 ans. Et ensuite, elle a épousé un marin français, elle est rentrée en France et a ramené en Europe les fameuses récoltes de Commerson, Sonnera, qui avaient été faites tout au long du voyage de Bougainville. Voilà pourquoi pamplemousse est très important. L'origine du jardin date de 1735, donc avec le gouverneur français Maé de la Bourdonnais, qui a acheté ce domaine, le domaine de Mon Plaisir, pour créer un potager donc pour lui et tous ceux qui vivaient donc avec lui dans le domaine de Mon Plaisir. On peut attribuer en fait le succès du jardin à Pierre Poivre, parce que c'est lui qui vraiment a développé donc le domaine de Mon Plaisir en créant donc le coin des épices. Et ça a été un lieu en fait pour encore une fois nourrir tout le monde et tous ceux qui habitaient en fait dans le domaine, mais aussi pour faire l'adaptation des plantes. Effectivement, le jardin de pamplemousse aujourd'hui, c'est vrai que c'est un héritage culturel. C'est vraiment un patrimoine qu'on se doit de maintenir par rapport à la variété de plantes et la variété. En fait, vous avez des plantes endémiques, exotiques, et vous avez tout un écosystème qui s'est créé tout autour. Donc, avec les chauves-souris, les petites cateaux vertes, bien sûr les crapauds, les poissons, les anguilles. Enfin, il y a une variété. Et on a introduit récemment aussi des canards. Donc, ça, c'est pour le bonheur de nos visiteurs. Tout le monde connaît moi pour Kevin Mutusami, moi habite à Mort d'Albert. Depuis petit, je suis content de travailler pour moi-même. Je suis content de faire à côté de manger, tout le temps je suis à côté de la cuisine. Quand j'ai fini l'école, la pâtisserie m'intéresse. Je me lance dans la pâtisserie, je vais apprendre la pâtisserie. Quand j'ai fini d'apprendre la pâtisserie, je n'ai pas d'intérêt pour travailler pour personne, je suis content de travailler pour moi-même. J'ai 27 ans. Je suis ouvert à ma pâtisserie. Mon travail, c'est assez correct. Tout le monde reconnaît ma pâtisserie Petit Prince. Mais après, le tout bon grand chef a été ouvert. Je suis la vente un peu baissée. Je suis un peu beaucoup. Imagine ma grand-mère comment je prépare une recette traditionnelle à l'époque. Ça me fait imaginer qu'il est capable de faire quelque chose comme un achat, comme un curry traditionnel. Qui peut disparaître à Maurice. Moi, je commence à faire des fruits locaux, à Chaumang, à Chaufricité, tout fruit local. Je coupe, je essaye de mettre sec, je essaye de produire. Je me trouve que ça marche. Je gagne un encouragement pour le lancement là-dedans. Je fais plusieurs variétés, je trouve ça un encouragement. Mais là, pour le moment, je trouve une nouvelle affaire qui est un carré traditionnel qui me fait aller, me prépare. Je vais mettre les congélés qui tout le monde a goût de curry traditionnel. Je vais mettre piment, poisson salé, piment au riz, comme un chat, un chat l'ail, un chat frisité, un chat morgueuse, un chat palmis. Je vais à peu près 30 variétés. Là, je vais lancer un nouveau curry fini paré, ready-made. Aujourd'hui, je vais me pénaliser le temps pour le manger. Quand il sort du travail, je vais manger instantané. Je vais faire à peu près 12 variétés curry, tout le curry traditionnel. Comme curry au riz, curry cerf, curry agneau, vin d'ail poisson. Plusieurs variétés. Moi, j'ai 12 variétés pour le moment. Moi, j'ai encore une nouvelle idée qui va venir après. Le lancement de l'achat, pour moi, un peu de temps pour me gagner une recette finale.
Même mon guette, mon grand-mère, comment faire, c'est seulement les parties de ma recette. Mon guette, tout ce mon ingrédient qu'il y mettait, les parties de ma grand-mère. Là, moi, mon travailleur, il est prêt un an, mon faire, mon essayer, mon faire du bon goûter, ça que du bon de moi, une surveillation. Là, finalement, mon récit amène tout d'après goût du bon. Là, mon trouvé un test OK. Là, mon marque tout mon recette finale, mon godly. À ce pour le moment, tout en liste standard. Il y a une seule recette qui me prépare tout mon achat, tout mon piment. Aujourd'hui, je vous propose deux recettes. Un gâteau papaye cristallisé avec un poisson salé à la mauricienne. Le gâteau papaye qui nous fait ce que tout le monde connaît, gâteau papaye. Au fait, nous ne faisons pas les papayes, nous faisons avec calebasse chinoise. Nous avons besoin d'un bon calebasse chinoise qui est bien plein. Et puis, nous éplissons, nous trancelons, nous enlevons tout le grain. Et puis, nous trancelons, nous lavons. Première étape. Là, nous mettons trempé pendant 12 heures temps dans la chaux. Après 12 heures temps, nous enlevons dans la chaux, nous rincelons pour plusieurs fois, plusieurs de l'eau, à peu près 5-6 fois, nous lavons en de l'eau frais. Après, là, nous finissons de laver bien pour nous laisser dégoûter. Et puis, nous mettons dans de l'eau bouillie. Pendant 15 minutes, nous laissons bouillir. Après 15 minutes, là, il finit de bouillir. Nous tirons, nous mettons dans le frais. Nous laissons tremper pendant 2 heures temps ou 3 heures temps. Après 3 heures temps, là, nous mettons, nous envoyons la cuisson. Nous cuisons dans du sucre avec de l'eau. Nous laissons cuire pendant des heures de temps. Après des heures de temps, nous taillons, nous laissons refroidir. Après des étapes, nous recuisons. Les 8 étapes se cuisson, même procédure. Laisse frais cuit. Pendant 6 à 8 fois, vous avez laissé cuire, depuis caramélisé. Pour ma deuxième recette, poisson salé à la mauricienne. Pour poisson salé à la mauricienne, nous faisons poisson salé. Première étape, nous faisons laver. Deuxième, nous bouillons. Là, nous finissons de bouillir, nous laissons dégoûter. Après, nous frions.
Là, nous finissons de frialer, nous cassons les petits morceaux, nous faisons tout souvent piquant, nous enlèvons tout souvent piquant. Là-dedans. Nous mettons de l'oignon, nous ajoutons du poisson salé, nous mettons piment, nous mettons l'ail poulet, nous mettons l'ail gingembre, nous mettons un petit piment sec qui sortit Rodrigue. Là, nous roussons tout ensemble. Et là, nous conservons un petit peu. Bien sûr, avant nous commencer le travail, tous les matins, nous observons tout l'hygiène, nous mettons tout propre, tout. Après nous commençons le travail. Dans l'après-midi, dans la fin de la journée, comment nous finissons tout le travail, nous désinfectons partout, nous nettoyons, nous mettons tout de sa place, tout à fait, nous mettons en l'ordre. Après, nous fermons, nous allons. Le lendemain, nous venons, nous recommençons à nettoyer avant nous commençons le travail. Là, nous travaillons pour nous, il y a beaucoup d'avantages et des avantages. Comme des avantages, tous les jours, vous travaillez. Là où on a travaillé, tous les jours, on travaille, vous avez travaillé d'une heure. Ou besoin de travailler dire. L'avantage, n'importe quand on a envie de travailler, ou libre, ou capable de faire plusieurs activités en même temps. Comme moi, personnellement, j'ai plusieurs activités, je ne peux pas faire seulement achat. Je fais achat, je fais côté pâtisserie, je fais côté plantation, je fais côté. Un petit peu côté cristallisé, c'est. Mais ça, il demande le temps pour me réfléchir, pour me capable. Mais tandis que si je travaille pour une compagnie, je ne peux pas avoir le temps pour lancer de plusieurs activités. Mais comment me trouver aujourd'hui, la vie est un peu bien difficile, peut paraître bien difficile, plus que COVID est passé. Je peux lancer un appel avec Banzen, tout ce qui est un talent avec eux, tout ce qui est. Connaissez, vous êtes capable de faire pour vous, pas décourager. Essayez de faire petit à petit, un jour pour essayer. À cause de rien, pas impossible dans la vie. Tout ce que vous pensez, c'est possible. Vous êtes comme une pâtisserie, un travail qui porte tous les jours, du monde mange gâteau. Il y a une autre, jamais on va finir à apprendre. Tous les jours, il y a une nouveauté qui nous apprend. Je suis vraiment une petite pâtisserie, mais c'est mon lancement d'une autre affaire qui me plaît. Je suis plus content. Je crois, à cause poivre, la cuisine dans le monde, une sans quantité. Je crois, dans son début, quelque chose qui est un peu fade. Zotine décidé à Zout qui, surtout à la cour du roi ou chez les princes, d'autres même qui n'introduisent ça comme une partie de luxe. À cause des pistes, il y en a beaucoup valeur. Qui, les temps où montrer qu'il y en a des épices, ça veut dire qu'ils montraient qu'ils sont riches. Il y en a quantité de petites épices qui n'ont pas besoin à le demander son voisin. Chacun guette son manière pour ramasser. Et qui, quel endroit, qui cote madame un tel, monsieur un tel, un amateur de. Bonne cuisine, ou capable de reconnaître toutes les épices qu'il y en a dans sa mangée. À Charles et à Coco, un affaire qui est bien rare. Nous préparons un bon chien à Charles, mettre ce petit piment. Moi, j'ai mangé bien bon. Là, comment j'ai trouvé, je vais couper ça bien finement.
Les palmistes et les quais à coco, fais-moi rappel, mon enfance, à mon trésor. Tu nous la famille, mon papa il travaille, en usine, mon frère, mon maman, tu dans ta bisement, beaucoup d'enfants, tu aimes la joie, aimes l'amour, nous grandis dans ta bisement là. Et nous bien manger quais à coco, mon Dieu. Coco, pas tu manquer. Sur la crème, sur de l'eau, tout est bien bon. Et moi, tous les temps, je suis content de faire achat. Je suis mon grand-mère, mon maman, qui nous bien montré nous comment on faire ça. Nous, maman, nous grand-mère, fait nous griller masala, l'eau, la braise, et puis crasse à l'eau mortier. Ça va être souvenir tout le temps pour rester. Là, nous finissons coupe nous les quais à coco. Maintenant, nous faisons mettre un peu de citron là-dedans pour ne pas venir noir. Il ne fallait pas ne pas mettre la graine dedans. Nous mettre que le jus là. Ensuite, je coupe mon piment. Que nous allons mettre dans les quais à coco. Dans les quais à coco, si vous êtes content, mangez bien fort. Nous pouvons mettre piment écrasé, la moutarde et safran. Là, nous mettons du sel. Nous mettons de l'huile. Tout petit peu. Nous donnons une jolie couleur. C'est vraiment une sauce bien rare, ça, les quais à coco. Mais la sauce est bien faite. Mauricien, il risait. Il me servait des épices comme si en catimini. Il pas me dire son recette. Il y en a qui font d'assar, dépendant ça qu'il mettait, son assar, et pas même affaires qui sont voisins. Il y en a son secret. Et moi, je crois que c'est un petit côté amusant de bonnes épices. Il me donne sa personnalité dans ce qu'il Mauricien il fabriquait. En particulier dans bande d'achar, mais bande de la plat traditionnel, même si nous, camarades de la Réunion, zoténas épices, mais pas mêmes épices, même si mêmes épices, pas même recette, pas même goût. Je n'ai pas servi de même manière.